Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 11, oui, 11 mai 2024, 15h15 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés, très pertinents. On est dans cet événement majeur de tempête géomagnétique dont je vous parlais et dont maintenant tout le monde parle. Et nous ici, on suit ça depuis très longtemps. On n'est pas des experts, c'est qu'on écoute les experts, c'est notre sagesse qui nous fait faire ça, et ça a donné lieu à des spectacles vraiment euh, féeriques. On a vu des aurores boréales en Jamaïque, à Puerto Vallarta, au Mexique. Ici, j'en ai des photos que je vous partagerai lundi, parce que je n'ai pas eu le temps de les euh, déclasser et de, 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 de les euh, organiser. Là. Mais à Laval, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on avait des aurores boréales euh, fascinantes. Et cette tempête-là n'est pas terminée. Euh, ça rappelle, ça a été vu dans tellement, tellement de pays, ça rappelle euh, presque l'événement de Carrington. On est encore sous cette tempête géomagnétique majeure qui, fait à, qui, qui commence à peine. Puis pendant ce temps-là, imaginez-vous que pendant qu'on est dans cette tempête géomagnétique-là, tu une puissante éruption solaire X5.8 qui a éclaté dans la région 3664. Pendant qu'on a cette tempête G5 maintenant, tempête géomagnétique extrême, on voit ici cette euh, puissante éruption solaire. Éruption solaire majeure mesurant 5,8, X5,8 qui a éclaté dans la région active 3664. Ça, c'est cette nuit. L'événement a commencé à 1h10 et s'est terminé à 1h39. Cela euh, a eu lieu pendant qu'on a cette tempête G5. Géomagnétique extrême qui a produit une autre éjection de masse coronale, très probablement, qui va être dirigée vers la Terre aussi. Complètement hallucinant. Donc, on aura probablement des pannes de courant qui seront vécues. On aura peut-être, en tout cas, quelque chose de plus gros qu'on ne pense, ou peut-être pas, espérons-le, mais ça nous prépare à des choses qui s'en viennent. Et que cette menace, ben, est très réelle et que elle sera probablement peut-être provoquée par le soleil ou par des gens mal intentionnés ou par nos propres gouvernements qui voudront nous faire vivre l'enfer parce qu'il s'agit que tu mettes à plat le système de réseau électrique. Comment tu peux faire pour vérifier toi que ça a été fait par soi? Une tempête géomagnétique, soit une impulsion euh, euh, électromagnétique avec euh, un déclenchement de bombes atomiques dans la haute atmosphère, ou juste le fait que tu débranches les réseaux électriques. Moi, je vous le dis, on est dans une époque vraiment cinglée, une époque de waco, comme dirait l'autre, pendant qu'on est en train de vivre des changements climatiques majeurs. Ici, on est rendu le 11 mai, il n'y a même pas de feuilles encore ou presque qui sont éclos qui sont sortis de leur bourgeons parce qu'il y a pas de chaleur en Europe il y a tellement de pluie dans plusieurs endroits qui sont incapables de planter il y a du froid dans plusieurs régions il y a des inondations partout parce que les changements climatiques c'est pas uniforme puis cet été l'été va être là il va avoir une semaine ou à peu près de chaleur parce que c'est à souhaiter c'est ça qu'on veut ou dans les villes de béton, on enregistrera des températures de 35 degrés. On essaiera de dramatiser ça. Tu vas prendre ta voiture électrique ou ta voiture à pétrole, puis tu vas t'en aller à 60 km de ce grand centre urbain de béton, puis tu vas voir la température tomber de 6-7 degrés ou peut-être 4-5 degrés, parce que ça va être dans un environnement montagneux, puis euh, de forêt. Ce qui est totalement normal, mais on... N'est rendu complètement waco de ce même monde-là qui pose toute cette urgence-là, à qui on a donné les les du pouvoir depuis des décennies, qui ont comme seule idée d'aller bloquer le soleil. Allô, c'est parce qu'il fait, fait, fait déjà froid. C'est complètement hallucinant. On est gouverné par des wacos. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, donc avec cette puissante éruption en pleine tempête géomagnétique, c'est complètement hallucinant, on a eu des images aériennes des de, 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 euh, conséquences majeures de cette éruption volcanique qui s'est poursuivie, puis qui se poursuit encore, du fameux volcan Rouen qui a craché, craché des 15 milliards de tonnes. De poussière et de cendres qui pourront probablement changer la température cet été? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est dans un, un environnement de froid? En ce moment, tu as la nina aussi qui vient d'embarquer. L'activité volcanique à Rouen a rapidement augmenté. Hein, le, le 16 avril, le volcan a connu une série d'éruptions explosives qui ont éjecté des cendres jusqu'à 55 000 pieds au-dessus, en haute altitude, du niveau de la mer en réponse au niveau d'alerte, blablabla. Donc, tu as eu des évacuations, as eu, ça s'est continué, ça s'est poursuivi, ça s'est poursuivi, poursuivi, poursuivi. Euh, toutes ces... Euh, je peux te dire une chose, wow, très spectaculaire. Je vous laisserai euh, ces images-là euh, et cette, ce lien-là dans la boîte de description. OK, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. C'est sûr qu'il y aura des répercussions sur la température. Donc, as eu, on a une tempête solaire géomagnétique puissante. On a des éjections de masse coronale cannibales. Je peux te dire une chose waouh, c'est pas une siniqueur. Puis, tu en as eu le 5 mai, tu en as eu le quelques journées avant aussi. Il y a eu des éruptions solaires. Ça, vraiment, ça bouge beaucoup sur le soleil. Dans ce cycle 25, on atteint le pic. Est-ce que c'est notre moment, Carrington? Moi, je pense que plus oui que non. Prépare-toi parce que ça va venir plus vite que tu le penses. Puis j'ai plein d'autres choses à vous partager. Je vous reviens avec ça. Restez aux aguets.